Eh bien salut tout le monde, ici Azarad, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du playthrough, comme d'habitude. Alors la dernière fois on s'était arrêté avec les espèces de cyborgs étranges, soldats futuristes, etc. Et on est parti chercher Bess la vache, à l'avant-poste, tout simplement. En espérant ne pas tomber sur diverses embuscades sur le chemin. Mais vu que je suis relativement proche, à mon avis ça devrait aller. Ça devrait aller. Je suis pas tranquille quand même. Hein. C'est... Waouh, surtout quand il y a des petits lags comme ça en général, c'est que il y a beaucoup de... What the f... Ah non, c'est une vache, putain. Putain, j'ai cru que c'était une grosse bestiole. Non, non, c'est juste une caravane, des gens qui font du commerce. Tout simplement. Ah, il y a quelques lags, hein, doit y avoir du monde. Hop. Par contre, les statues, elles me stressent parce que... Dans le mode Monster Wars, dans le trailer, on peut voir une statue comme ça en tant qu'ennemi. C'est pour ça que ça me fait un peu peur. Donc voilà, on est arrivé à l'avant-poste. La RNC est là, c'est nickel. Ça, c'est un marchand itinérant. Tiens, t'as pas des trucs à vendre? Salut, besoin de quelque chose? Ouais, tiens. Bien sûr. Voilà ce que j'ai. Alors, qu'est-ce qu'il a de bon à nous proposer? Est-ce qu'il aurait des munitions? Ouais. Non, apparemment il a pas... Ah, attends. Boîte de piles, petite cellule énergétique en gros. Ça coûte cher. Hein. Caisse de munitions. Hein. Calibre 12 chevrotine. Cellule énergétique. Nickel. Je vais en prendre, comme ça j'aurai des munitions pour... Hop. Voilà. Grenade 25 mm plasma. Grenade 40 mm. Impulsion. Je vais en prendre. Hop. Plasma. Prendre aussi. Hop. Mini nuke missile hive. Putain, mais le mec wow. Ah, c'est con que j'ai pas de thune. Oh, je vais voir si je peux pas revendre des trucs. Ouais, non mais il a des missiles nucléaires, quoi, le mec. C'est quoi ce délire? Cartouche, cocktail atomique, je vais les vendre. Ça, je leur vends. Dynamite longue amorce, je leur vends. Ouais, j'ai pas grand chose en fait. Hein. J'ai pas grand chose. Ah, les étuis, je peux les revendre. Non, ça... Non, ok. Il y a pas de prix, en fait. D'accord. J'avais pas vu. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, c'est tout. Allez, hop. J'ai acheté des munitions. Alors, cellules énergétiques. Ce qui est cool. Voilà. Par contre, en munitions, il m'a mis quoi?
Cellule énergétique et... Cellule énergétique surcharge. Je vais équiper celle-là. Voilà. Ça me fait pas énormément de munitions, mais c'est déjà ça de prix. Il y a un joli Terminator. Là. Oh! Il m'a dit bonne journée. Putain, il est grand. Oh là là. Il est grand, le Garen. Ça, c'est des... C'est quoi, ça? Des caravaniers, d'accord. Ok. Caravanier, tout ce qui est plus normal. Quoi? What the fuck? Oh, il y a eu un vieux bug. Il y a eu un vieux bug. Bon, alors on est venu pour chercher Bess. Bess qui est quelque part par là. Alors, où? Où, je ne sais pas. On va rentrer, on va voir. C'est une de ces vaches-là, donc... Alors, Brahimdo, Brahim, Brahim, Brahimdo, Bess, Brahimdo, Bess, poussez-vous les vaches là. Ah 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 ah, je crois que je l'ai vu, non. Bess la Brahim, voilà. Permet la création de nouvel objet, permet le déplacement d'un objet déjà existant, permet de dupliquer un objet déjà existant, voilà. Donc là je vais pouvoir l'amener, alors ordre Bess. Déployer la tente, ouvrir l'inventaire, ramener Bess à vous. Suis-moi. Moi. Ouais. Activer le module blueprint, le module déplacement, le module création. Bon, je lui ai dit de me suivre. Mais est-ce qu'elle me suit dans les voyages longue distance? On va essayer. Il y a un souci là. Ah non, putain, je suis là. Putain, j'avais peur. Oh là là, j'ai eu peur. Ok, on va retourner là-bas. Normalement, Bess me suit. Si je dis pas de conneries. Si je dis pas de conneries, elle devrait me suivre. Il y a ah, nickel, ok. Putain, il refait nuit, quoi. Alors, le mode Brain Bess vous permet de jouer en mode hardcore, ce qui augmente considérablement le challenge. Non, non, non. Alors, ordre Bess. Reste ici. Activez la lampe, tiens. Et reste ici. Voilà. Attends. Fermé. Brain Bess aide. Pour un accès plus simple au menu principal, assignez un raccourci à la cloche de Bess. Que vous trouverez dans la rubrique aide de votre Pit Boy. Ah nickel. Comme ça je vais pouvoir lui donner des ordres sans forcément. Je pourrais l'appeler avec une cloche quoi. Où elle est? Cloche de Bess, d'accord. Alors. Ok, bah non, je vais pas assigner un raccourci, je vais le garder comme ça. C'est cool. Donc là, Bess reste là. Je crois que j'ai assez de capsules pour acheter un garde. On va tester. Par exemple, si je prends un patrol garde, du coup. Ah non, oui, c'est vrai, j'ai acheté des munitions. Non, mais c'est tout, autant pour moi. On va tout simplement continuer l'histoire principale. Parce que ça fait déjà un moment que... Ça fait déjà un petit moment que... on s'y est pas attelé. Alors, on va se diriger tout simplement vers Novak. On va se diriger vers Novak et arriver là-bas, on va déjà faire continuer un peu la quête principale et faire les quêtes annexes, enfin la plupart des quêtes annexes qu'on pourra trouver dans la ville. On va bien voir ce que ça donne. Alors déjà, petite sauvegarde, voilà. Et direction le nord. Normalement, ma ville ne se fera pas attaquer pour l'instant. Tout simplement parce que je n'ai pas fini le didacticiel de la ville. Du coup, le mode siège n'est pas activé, donc j'ai pas trop de soucis à me faire.
On le voit, c'est les soldats de la RNC, j'ai rien à craindre. On va continuer. Ah, j'ai des petits freezes. Wow, ça fait flipper quand même. Et moi, dans le casque, j'entends des bruits étranges. Ça fait un peu peur, hein. Bon. Continuons tranquillement jusqu'à Novak. Tranquillou, tranquillou. En espérant ne pas se faire embusquer. Ce qui est une fâcheuse habitude en ce moment. Il y a un clébard là-bas. Waouh, quoi. Pourquoi il vise là-bas, ce con? Il y a un bug avec les... Branches, il se fout de ma gueule. Je crois qu'il y a un bug avec ce mob, en fait. Wow, what the fuck? Putain, je l'ai désintégré le bordel. Voilà, des fois les mods sont un peu bizarres, hein, faut pas s'étonner. Donc ça c'était un mob parmi d'autres, un mutant de terre. Rajouté avec... Ah, un rataupe. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça, one shot. Les armes à énergie marchent bien. Hein. Moi, je vais sûrement me spécialiser dans l'arme à énergie parce que ça me botte, hein, franchement. J'ai pas mis de point dedans au début parce que je sais que... Il y a des gens là-bas. Je sais qu'au début, c'est un peu galère. Je vais y aller en sneak. Des légionnaires. C'est des fucking légionnaires. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux passer tranquillement ou... Je sais pas en fait s'ils sont agressifs avec moi. Comme j'en ai déjà attaqué quelques-uns. Je vais aller voir. Ah, il y en a pas mal des légionnaires. J'ai intérêt à ne pas me faire avoir. Pour l'instant ça va, ils ont pas l'air très très agressifs avec moi. Là-bas il y a des mecs aussi. J'ai vu un mec courir là. Il me semble. J'ai vu un mec courir là. Non, qu'est-ce que c'est quoi? C'est un mutant? Non? Ah non, c'est une mouche. Enfin une espèce de mouche. What the fuck, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Super mutant. Oh putain. Ok, sauvegarde rapide et on se le fait. On y croit les gars, on y croit. Il est tout seul. Déjà on va se faire toutes les petites merdes là. Je vais changer d'arme. Un truc plus précis pour toutes les mouches. Alors, un truc plus précis, je vais reprendre mon fusil à répétition. Bon, j'ai fait une sauvegarde rapide, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, ils sont plusieurs. Recharge, tête de cul, recharge. Oh, fuck. Wow. Ah, t'es moche.
suis mort. Cherchez pas, je suis mort. Je suis dead. Oh là là, mon dieu, qu'ils sont horribles. Ouais, là, je m'en prends plein la gueule, hein. Ils sont trop puissants pour moi. Par contre, ils ont pas l'air de faire très très mal, c'est ça le truc. Parce que j'ai l'air de tenir, hein, quand même. Je vais essayer de les avoir en mode bourrin. Ils ont pas l'air de faire très mal, mais ils sont costauds. Hein. Wow! Je suis mort. Ah, c'est pas sur moi qui tirait les mecs, c'est sur les mutants, je crois. Bah, on va voir, de toute façon, là, les mutants, je vais les éviter, parce que j'ai pas envie de me... Voilà, hein, j'ai pas envie de me faire tuer comme une merde. Je vais tout simplement continuer vers Novak. Trouver les hommes qui ont tenté de vous tuer, ouais, t'inquiète. Donc voilà, c'était un essai. Qui s'est soldé par un échec. Alors là, il y a des mecs, c'est ceux qui ont commencé à tirer vers ma direction. Ce sont des bandits armés des Vipers, d'accord. Mais j'ai vraiment pas de bol, hein, décidément. Alors, soit je me les fais. Soit je me les fais. Sauvegarde rapide, et on se les tente, ça va. Et sinon, je pourrais jamais passer, il y a vraiment trop d'ennemis. On va se les tenter. D'accord. On va se les tenter. Raté. Touché. Oh! Il me faut une autre arme, parce que là, ça pue du cul. Alors... Arme, laser pistol. Non, j'ai pas assez de munitions de toute façon pour toutes ces merdes. Fusil à répétition de cowboy. J'ai que ça qui fait le plus mal de toute façon. Ok, je suis infirme, du coup ma précision a baissé. Ça me fait chier. On va pas avoir le choix. Hein. Par contre, toi, tu vas arrêter de me faire chier la machette. J'avais une machette, je crois. J'avais pas de machette. Mais pas un truc au corps à corps. Ah, large machette, ok. Première fois que j'utilise une arme de corps à corps, attention, ça se fait. Viens par là, toi. Exécution. Voilà. Voilà, suppression de dépendance. Wally Wallou. On va les dévorer, hein. Faut bien que je me régénère quand même. Mon karma a diminué, mais je m'en bats les steaks. Dévorer. Ça fait du bien là où ça passe. Allez.
Allez, voilà. Qui c'est que j'ai pas mangé? Il n'y a plus grand chose à manger là-dessus, mais bon. Allez. Ça fait du bien. Heureusement que j'ai pris ce truc-là. C'est quand même vachement utile, hein. De pouvoir... ah, tiens. De pouvoir manger les cadavres de ses ennemis, ça aide. Hop, toi, je te prends. Les étuis aussi. Si un jour, je peux faire du craft. MP38. D'accord, il avait une MP38. Je vais la prendre. Ouais, je vais prendre la MP38. La MP38 est rajoutée grâce à un mode, je crois. Le mode qui rajoute je sais pas combien d'armes. Parce qu'à mon souvenir, elle ne fait pas partie des armes originales. Ah d'accord. Le MP38, en fait, c'est juste un skin différent du 9mm. Si je fais ça. Voilà, je garde le MP38. Nickel. Combien de dégâts? 9. 9 par balle. Je vais prendre ça. Hop. Du coup, là, MP38. Voilà. Ça fait un peu chelou sur les bords. Mais bon, tant pis. Découvert camp des Vipers de l'autoroute. Ouais, ouais. Eh, ouais, ouais, ouais. C'est bon, on arrive vers Novak, c'est cool. On y est presque. Ok. Allez, on y est presque. Ce serait cool d'arriver à Novak avant la fin de la vidéo, quoi, parce que... J'ai l'impression que ça traîne. Oh, le petit lag. Il y a du monde. En même temps, c'est une ville. Hein. C'est normal. Radio Black Mountain, signal trouvé. Ah bah nous voilà arrivés à Novak. Par contre, il y a des gens étranges là-bas. Ah, j'ai gagné un niveau, nickel. Oh, nickel, nickel, nickel. C'est quoi qu'il me fallait pour... discours. Est-ce que j'aurai assez de points? Il me fallait 35, je crois. Yeah, je vais pouvoir retourner à... Good Spring après, pour aller chercher... l'autre, là, Smile. Vous êtes qui, vous? Bonjour. C'est les cow-boys. Ce sont des cow-boys, ok. Je suis infirme. Ah oui, merde, je suis infirme. Je suis infirme, j'ai qu'un steam pack. Ouais, je suis plus infirme, mais c'est limite. C'est limite, c'est limite. Qu'est-ce qu'il vous faut? Rien. Je sais pas c'est qui ces mecs-là. Bon, de toute façon... Alors, il fallait que j'aille voir qui. Juste que j'aille à Novak, d'accord. Faut que je parle un peu avec la population, je pense. Mais en fait, il fait un peu nuit, donc... Ça craint, quoi. Donc ce que je propose, c'est que on attende que la journée se lève. Voilà. Histoire de pas réveiller tout le monde. Parce que ça se fait pas. Voilà. Alors. Alors, Novak, ouais. Il y a des habitations, là. Quelques habitations, on va aller voir. Chambre de motel nécessite une clé, donc c'est fermé. Ok. Ça, faut pas que j'y aille apparemment. Là. Tiens, salut. On se connaît. Bruce Isaac. Ah non, non, je vous en supplie, ne me tuez pas, je vous jure, je vais... Mais attendez un peu. Vous travaillez pour Monsieur Bishop? Hein? Bah non. Désolé. C'est juste que vous êtes... son genre, vous voyez.
vous portez les stigmates de l'explorateur endurci des terres dévastées. Pas ce chanteur de Nureno, il me semble vous avoir... Ah, vous avez entendu parler de moi? J'étais la tête d'affiche au Shark Club. Les gens payaient des centaines de capsules pour me voir chanter. D'accord, d'accord. Pourquoi ce Monsieur Bishop vous en voudrait-il? Eh bien, vous voyez, c'est un énorme malentendu. Monsieur Bishop me devait beaucoup d'argent. Et vous savez, c'est un homme très occupé. Donc je me suis dit que je pourrais me servir moi-même. Ouais, tu l'as piqué sa thune, quoi. À cause de ça, ah, c'est le patron du casino en plus. Voler, mais quel vilain mot. J'ai plutôt résolu un petit problème de comptabilité à sa place. J'ai aussi un peu, ramonné sa fille. Un petit peu. Oh, l'enfoiré! Je suppose que non. C'est pour ça que je suis là. Merci. Oh là là, l'enfoiré. Allez. Ouais, à plus tard. Oh, l'enfoiré. Ah, si Bishop le trouve, lui, il va être pendu à un arbre. Wow. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un ennemi, là. Qu'est-ce qui se passe, nom de Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé? Sur qui ils ont tiré? Wow! Salut! Putain! Frag grenade! Œuf de gecko, peau de gecko, viande. Excusez-moi! Wow, vache. D'accord, c'est ça qu'ils ont tué. Okay. Il y en a un qui avait une arme à énergie dans le lot, là, j'ai entendu. Ah, c'est des mercenaires, d'accord. Adastros, c'est qui ça? Que puis-je faire pour vous? Je suis blessé, Ah, nickel, j'ai besoin d'aide. Oh, c'est pas si vilain, je vais vous remettre sur pied. Après tout, il est difficile de rater deux traitements de routine dans la même journée, non? Oula. 50 capsules, oh. Allez. Très bien, je vais prendre mon scalpel et... Ah, je l'ai laissé dehors. Bon, vous savez quoi? Piqûre anti-tétanique gratuite. Wow. Merci, Doc. T'as pas des trucs que à me vendre? Que faire pour vous? Matériel médical, oh, nickel. Ouais. Alors, il me faudrait du Steam Pack. Oh, putain, c'est cher. Oh là 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 là, c'est la dèche, c'est trop cher. Oh, laisse tomber. Merde. Au revoir. Putain, l'économie dans ce jeu-là, mais laisse tomber, c'est hard. Hein. Franchement, tout coûte la peau du fion. Hein. Incroyable. Salut. Habitant de Novak. Ouais. Ok. C'est qui ça là-bas? Daisy Whiteman. Un beau temps pour voler. C'est ce genre de météo qui réveille le plus la nostalgie chez moi. Qu'est-ce que vous faites à Novak? Vous avez piloté pour la RNC? Pilote de Vertipter. 71 missions et un seul appareil perdu. Une panne de rotor au-dessus de Klamath. J'ai dû me poser en catastrophe, mais sans bobo. Bon, allez. Gaffe à vos 6 heures là-bas. Ok, alors, on va continuer de fouiller un peu les chambres de motel. Pas l'air d'y avoir grand chose. Hop. Ah bah je me sers, hein. Y'a pas me faire chier.
Non, mais c'est tout. Apparemment, il n'y a rien d'autre de... Ah, tiens, t'es qui, toi? Boone. Ne le prenez pas mal, mais il faut que je me repose quand je ne suis pas de garde. Je ne dors pas très bien, alors on verra ça plus tard. Si vous voulez parler, venez me voir quand je suis de garde. Je suis dans le dinosaure à partir de 9h le soir. Ok. Ouais. À partir de 9h le soir. Bah, qui c'est qui est dans le dinosaure, alors? Porte vers bungalow de Cliff Briscoe. C'est pas lui que je devais aller voir? What the fuck? Ok. Oui, je pique tout. Mais je crois que c'est à lui que je devais parler. Pour la suite de la quête, Cliff Briscoe. Ranger Andy. Hey Ranger. Il est là. Ranger. On ne s'est pas encore rencontré. Vous venez probablement d'arriver en ville. Je m'appelle Andy. Andy. Cherche quelqu'un avec des vêtements à carreaux. Non, mais ça fait un moment que je suis cloué ici. J'ai pas pu observer ce qui se passe comme je le fais d'habitude. Mais c'est une petite ville. Si un type de genre est passé par ici, quelqu'un l'aura forcément remarqué. D'accord, d'accord. Ouais, faites okay. Bien attention à vous, hein. Oui, oh, ça va. Ah bah écoutez les gens, la vidéo a été un tout petit peu plus longue que d'habitude, mais là on va se quitter là. Pour le prochain épisode, on va tout simplement continuer notre petite quête. Essayer de trouver ce fumier à la veste à carreaux qui a essayé de me tuer. Et on ira chercher Sunny Smile par la même occasion pour qu'elle nous suive. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez une question ou une suggestion à me faire. Nouveau shérif. Ça devrait tenir les poudriers à distance. Ah oui, hein, t'as vu ça? Donc voilà. Si ça vous a plu, petit pouce bleu, hein, partagez ça avec vos potes. Ça m'aiderait beaucoup, vu que bon, c'est une chaîne qui commence, qui n'est pas très très connue. Et comme on peut pas vraiment faire de pub, la seule pub, c'est les viewers. Hein. On se laissera pas faire. La Légion peut en être sûre. Ah oui, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une caravane? C'est une caravane. C'est une caravane, je n'ai rien dit. C'est une caravane. Donc voilà, c'était Azarath pour Gaming for Fun. En espérant que ça vous ait plu, je vous souhaite bonne soirée et bonne journée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!